Sports. It's in the game. Big numbers, big numbers. 100 in a bag, that's a big number. Big numbers, big numbers. Whole team got it, that's a big number. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre mode carrière avec ce 6e épisode de Madden 2022. Allez, on va attaquer la 10e semaine de cette saison. Contre eux, c'est les Chicago Bills, si je dis pas de bêtises. Les Buffalo, pas Chicago. Hein. Perturbé par les Chicago Bulls. Boss Battle. J'en vais à une histoire d'égo là. Ils sont en train d'interviewer l'un de nos adversaires. Ça va, ça reste gentil. On le sait, hein, qu'on a de la pression. Suis-je ready ou sommes-nous ready? On est prêt, bien sûr. Encore une fois, ça va être un travail d'équipe. Hein. Après, c'est toujours mieux si on gagne derrière. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de nos à côté? Il y a longtemps, je crois que je me suis pas... J'ai pas pris un peu soin de moi. Travailler un petit peu la vitesse. Malheureusement, le bonus sera que temporaire, c'est pour une semaine. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Défi pas attendu. Alors... les choses jour par jour, jour après jour. Ils essayent toujours nous piéger avec leurs questions. Hein. Sympa de voir les effets que va avoir notre réponse. Sans surprise, team player. Oula, on va commencer au troisième quart-temps avec 20 points de retard. Ça me paraît mission impossible. Hein. Tu aurais peut-être pas dû faire ces choix-là. Surtout qu'il me semble que les Buffalo Bills, ils ont des stats assez désastreuses pour l'instant. Putain, en plus on est chez nous. La loose quoi. Alors, quatrième tentative, bah je tape. Hein. C'est marrant, j'ai cru voir les Dolphins 5-5, certes. Je me souviens qu'ils étaient à 5-1, 5 matchs gagnés, une défaite, et là j'ai vu 5-5, donc ça veut dire qu'ils ont perdu tous leurs matchs. Bon, même si on perdait ce match-là, ça serait pas cata, mais... Bon. On va pas pouvoir jouer la stratégie de la perte de temps, là. On va tout de suite voir ce que ça donne. Hein. Je rêve du moment où il lâche son ballon que je la récupère. Ouais. Faire du son sans froid. Ouais, joli. Ouais, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Alors, du thé. On va assurer les points. Hein. Comment il a fui. Ah, par contre, la caméra centrait pas sur le bon joueur. Ouais. Sur les points. On n'est déjà plus qu'à 10 points. Je pense que pour l'instant on pouvait pas espérer meilleur scénario. Mais bon, une récupération de balles comme ça c'est toujours un peu lié à la chance. Hein. Oh putain, je l'ai... Je l'ai loupé. Pas fait gaffe. Pourquoi on a un timeout en moins, non? Ça va se friter un petit peu là. Hein. Oh joli. Ouais. Là je savais pas que je me loupe hein. C'était le dernier. Putain par contre là si ils mettent un touchdown on n'est pas bien. On n'est pas bien. Oh là la même. Un peu chambré, hein. Ça se fait pas, hein, surtout quand on est mené à la marque comme ça. Et ben, on passe d'une situation où on pouvait en reprendre un. Ah bon, on revient. Alors, par contre, leur quarterback, il fait un truc que j'ai jamais vu. Il n'arrête pas de reculer. À chaque fois, il perd la balle. Alors, on continue d'assurer. Je pourrais tenter le touchdown, mais. J'ai besoin de points. Faut absolument assurer les points. La 27-24, ça revient très fort. Ça revient très fort. Allez, piquez le ballon là. Faut remettre ça les gars. Continuez d'être agressif hein, sur le porteur. Bon boulot de défense hein. Peu de bol hein, 14. Il y avait un contact mais ça l'avait placé favorablement. Ouais, belle passe. Passe rapide et efficace. La pression commence à remonter de notre côté. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Ah là là, dommage. Oh putain. Oh. Ah, j'ai cru que j'allais fumer le quarterback et... Oh putain les bâtards, ils jouent le temps. Faut vraiment que je la récupère. Hein. Non, 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 non. Il la prend ou pas? Oh là là, il la récupère, je dis. Ah joli. Vous savez hein, que ça serait difficile. Transformer 10 points d'avance. Faut plus d'un touchdown hein, putain pour revenir dans le match. Putain, semblait facile pourtant, mais visiblement non. Ouais, pas mal. Arrête de faire le zouave et joue. Oh là là, il est pas passé je crois. C'est incompréhensible, il ne pose pas de transpercer la ligne. Ah par contre il me le propose. Sacré coach. Oh là là, mais pourquoi il s'est arrêté? Mon joueur s'est arrêté, il a arrêté de se déplacer. Putain. Oh là là, la catastrophe. Catastrophe. Et on arrive pas à l'arrêter. Eh mais là vaut combien? Oh là là, mes chances sont pulvérisées. Hein. Après deux coups de génie en troisième quart-temps, là c'est la catastrophe. Bon. Oh joli. 2 minutes. Jouer le temps de toute façon, pas très grave si le temps passe. J'ai pas envie spécialement de reprendre la touchdown. Ah, ils vont même pas jouer, ils vont... Allez, bâtard. Si, ils jouent, mais vraiment. Ah, ça me va bien. Je ferai un touchdown, je jouerai les timeouts. C'est trop loin. Bande d'enfoirés. Ah, ils sont pires que moi. Ouais. Et faire cul en plus. Ils s'en foutent, hein. Assez scandaleux cette fin de match. On croirait me voir jouer. Vingt points, franchement, c'est chaud, hein. Et en plus, c'était chez nous. Hey, gotta give credit where it's due. They straight up outplayed us, but that was a pathetic effort on our end. All right, it's time for Hidden Gems, this segment where we ask our audience to spotlight the people that simply do not get enough credit for the impact that they're making on the NFL. And for this week's episode, one of my favorite listeners, Trey, my guy, suggested we highlight Manny Kahue and Alexandra Bishop. That's right, the offensive and defensive coordinators for the New York Jets. And now I know that it's probably a bit of a curveball for some people because the suggestions we usually get, of course, are players, but that's a pair of coaches that absolutely fit this segment. I mean, think about it. How many other teams can you name that have winning records this season with first-year coordinators on both sides of the ball? Right, exactly. They don't exist. That's why Manny and Alex are the hidden gems for this week. So check them out. And by the way, great call, Trey. All right, so moving right along. Alors je m'étais trompé en termes de performance, ils ont eu 6 victoires et 3 défaites et nous on a 7 victoires et 2 défaites. Donc pour l'instant clairement on reste les meilleurs. C'est Denver, alors l'équipe avec le canasson là qui a 7 défaites et 2 victoires. Il y a Seattle également qui a une victoire et 7 défaites, mais ouais, ils nous ont fait perdre contre des prétendants fort intéressants. Est-ce que c'est Cleveland également qui a 7-2 comme nous? Ouais, rien n'est fait, hein. Mais il va être content lui hein. Les Dolphins. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Si c'est le système de questionnaire, encore une fois, on va se marrer. Hein. Ça y ressemble. Hein. Alors... C'est pas vrai, et putain j'avais une chance sur deux. Incorrect. Pourquoi est-ce que ça m'étonne pas? Chance sur deux. De vrai. Ah oh, merde. Ah oh, c'est pas vrai. Je me suis dit c'était trop précis pour. Ah ben non. J'ai un petit cadeau quand même pour la participation ou pas? Ah quand même, ils sont gentils. Ils sont gentils avec moi. Allez, on va peut-être pouvoir se faire un match complet. Alors j'aurais préféré l'inverse, j'aurais préféré perdre contre les Dauphins et avoir mes chances contre l'autre équipe qui avait un palmarès beaucoup plus costaud. Bon après c'est pour qu'ils puissent au niveau de leur scénario faire monter le hype, hein, mais bon. Je crois qu'on est à la maison. Hein. Alors on commence à parler des playoffs. On est dedans, ça me plaît bien ça. Bon après vu notre ratio de victoire et de défaite, c'est aussi normal. J'aime bien garder un œil sur les résultats des autres matchs. Surtout ceux qui nous ont battus. Je vais garder un œil tout particulier sur eux. Putain mais défoncez-le, c'est pas possible. Le mec il a traversé 5 types. Quelle jolie performance. Je croyais avoir le 29, j'ai chopé l'autre joueur, ça l'a écarté de la trajectoire. Oh, heureusement que la passe était foirée. Oh, heureusement que le 20 était là, parce que... pas trop avancé. Il y a une bonne ligne de... Ouais, il est passé. Il est passé. C'était bien propre. On se rapproche. Buffalo 0-0 pour l'instant. Putain, fume-le ce bâtard. Dommage qu'il ait pas fait tomber le ballon. Surtout que là, il y a un costaud là. On voit qu'il a gardé le ballon comme si c'était son outil. Troisième tentative, là c'est important. Ouais, joli. Donc là, est-ce que ça va taper? Parce qu'ils sont quand même loin. Hein. Ils sont très loin. Un classique chez moi. Ah merde putain, il la récupère pas. Mais ils sont cons, ils étaient deux. Oh là là, ces arrêts. Et toujours autant... plaisir. Par contre là, non mais le mec il s'effondre et il tourne le dos au ballon. C'est scandaleux quand même. Bon allez, à nous. Dommage. Il n'y avait pas un peu plus de vitesse, mais c'était pas mal. Oh. Joli. Ça rentre petit à petit. Pas rentré. Scandaleux. Scandaleux cette affaire. Compliqué hein, de continuer à jouer le chrono, on était trop près, puis c'était notre deuxième essai, faire tenir 2 minutes, pas gagné. On ouvre le score. Et 2 minutes. C'est comme s'ils avaient un quatrième time-out. Ça joue très vite. Passe un petit peu rapide. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça botte? Oula, j'aime pas ça, les récupérations comme ça sont merdiques généralement. Ah joli. Ah là là, quel mauvais. Les changements de direction sont très difficiles dans le jeu, une fois lancé. Alors, ah ouais, il propose de la jouer comme ça le coach. Moi j'avoue, j'ai plutôt envie d'assurer. C'est pas grave, on va le faire. Si on les fait courir au loin, ça va me dégager le passage. Ça joue pas les timeouts. Très intéressant. Peut-être changer mon fusil d'épaule. Waouh, c'est risqué ce que je fais. Hein. Très risqué. Changement de stratégie en temps réel. Bousculé, c'est dommage. Ah, joli. Bon bah j'ai bien fait de changer mon fusil d'épaule, hein. De tenter le point. Là on va pouvoir respirer un peu quand même. Aborder la suite du match. Le cœur léger. Waouh! Elle est oh ah putain! Non! Énorme. Sur un 38 secondes, ils ont le temps de faire des choses. Hein. Dommage qu'il n'est pas saisi. Ouais, time out. Ils peuvent aller loin, ils en ont 3 au total. Merde, oh là, j'étais persuadé que ça allait l'arrêter. Stress jusqu'au bout. Hein. Ah, ça va taper. Ouais, j'ai pas pu. Joli, 3 points. S'ils reviennent en fin de match, ça peut faire la différence. Bon, en attendant, 14-3, c'est bien. Petit coup d'œil sur les autres matchs. Alors, ça donne quoi les buffs? Les Buffalo Bills 14-17, putain il est là. Salaud. C'est 3, 26-7, putain. Les Browns, je les ai pas affrontés encore. Hein. L'initiative, on va pouvoir attaquer. Inarrêtable. Oh là, il a perdu le ballon à un moment donné. Ça m'a fait peur. Faut dire, qu'est-ce qu'il a pris comme coup, pauvre. Alors par contre, son run compte ou pas, comme il a perdu le ballon? Ils font un peu peur. Non, c'est bon. Ah ouais, non mais... Allez mon gars, allez mon gars. Vas-y, vas-y mon pote. Défonce tout. Bulldozer. Mec inarrêtable là. Sublime. Hein. Faut vraiment se désaxer hein, pour passer. Passe pas, dommage. J'espère que quelqu'un va se démarquer correctement. Putain. Enfin n'importe quoi. Hein. On assure, mais je suis pas content. Hein. C'est pas gâté encore. Hein. Joli hein. Et je veux pas dire, mais j'ai pris un joueur qui était loin dans le fond et je l'ai fait foncer sur le quarterback. Là on me voit courir là, le 24. Bon c'est pas moi qui ai touché le joueur le premier, mais encore une fois le replay qui est complètement à la masse sur le joueur à suivre. C'est pas grave. Alors par contre c'est bien mon numéro 24 qui a récupéré le ballon et qui a marqué. C'est pas lui qui a touché le quarterback. Bon 3-24 là. On respire. On a fait le contre qu'il fallait faire. Oh dommage. Je pense qu'il a eu peur, il a vu mon joueur, il a flippé. C'est un peu le but. Ouais. Là, ils sont en train de s'effondrer, les pauvres. Ils font quoi? Ils vont taper. J'ai jamais compris pourquoi le joueur, au lieu de se positionner sur la chute du ballon, il est tout le temps aux fraises. Bon, là on va sûrement pas prendre de risque, hein. On passe pas, mais on n'est pas loin. Pas se presser, hein. Je crois qu'on est passé. Ah non, on n'est pas passé. Merde, putain, ça joue à rien là. Le mec il veut pas tomber. Putain, il est tombé un peu prestement. Merde, on va pas pouvoir jouer les 2 minutes, c'est bien dommage, ça m'aurait rajouté un peu d'aisance. C'est pas grave. Les pauvres, ils vont pas pouvoir profiter beaucoup de leur 4e carton pour faire quelque chose. Alors ça va nous faire une 20 à peu près. On sait pas gagner, hein, de franchir la ligne. Hein. Tout va dépendre de mon 78, 82, 12, comment il gère l'affaire. Oh là 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 là, ah, il est pas loin. Ça tombe pas loin. Globalement, quand on part de côté, ça marche quand même souvent mieux que d'y aller en frontal. Aucune garantie, mais quand même de chance d'en remettre un. Hein. Juste pour regarder les autres scores. Je suis étonné qu'ils jouent pas leur timeout. Oh, joli. Intervention musclée. Ah si, on est passé. Je suis peur. C'est juste... Ouais, aussi. Ah les salauds. Les salauds. Ah, il est basé ou pas? Je me rends pas compte. Je crois que non. Je crois qu'il est pas passé, mais il a été arrêté sur la ligne. Bon, bonne gestion de la fin du match. C'était propre et carré. Bon, il nous fallait cette victoire, hein, pas cette vilaine défaite scénarisée. Notre joueur n'a pas fait d'éclat en soi. Bon, il a fait des bonnes passes, mais il n'a pas marqué. Ça s'y prêtait pas trop. As dedicated fans of the NFL, my audience is sure to recognize the voice of our next guest, especially if you happen to be a Madden player, where he's worked alongside Brandon Gauden since 2016. It is a pleasure now to welcome to our show longtime NFL broadcaster. My pal Charles Davis. Charles, thanks for joining us. Thanks for having me on, Kevin. Always fun to spend time with you. So, Charles, I got to tell you, as someone who's watched and listened to so many of your games, I am always impressed by how prepared you sound. That's awfully kind of you, Kevin, but as you know, as Brandon knows, preparation, that's the key to success. And let's face it, each week we get ready for a game. It's like preparing for midterms or finals. Yeah, and I imagine that all that work doesn't end when the season's over, am I right? It never ends, and let's face it, the NFL is 24/7, 365, so when the season's over, now you're getting ready for the draft, free agency, and watching teams rebuild their rosters so you're prepared for the next season. Right, a lot of names to keep track of, a lot of football to watch. And continuing on that theme of preparation, Charles, we've all heard that players have a certain pregame routine that they follow religiously. What about you? Any pregame routine for a broadcast? It's funny. I used to have a lot of superstitions, I guess you would say, but hopefully I've eliminated a good number of them. Now I just review my notes and make sure I get in a good workout to try and knock down a few of the nerves before our broadcast. Yeah, well, hey, that makes a lot of sense, and you can't argue with the results. And I know I speak for our listeners when I say, give me the analyst who makes me smarter. And my man, you do just that. So thank you. But back to my listeners for a moment though, because they... Je suis en train de me poser la question si ce podcast, on l'a pas déjà entendu, hein, sur l'histoire de la préparation. Il surcycle un petit peu. Je regardais un petit peu les résultats. Il y a encore des équipes 9 victoires, une seule défaite là cassée. Donc on est loin d'être devant. Bah écoutez, on va s'arrêter là. La fois prochaine, ça va être contre les Texans qu'on va se battre. Suite au prochain numéro. EA Sports, it's in the game. Big numbers, 100 in a bag, that's a big number. Big numbers, big numbers. Whole team counted, that's a big number.